pourquoi je me suis intéressée au début? Bien, parce que c'était l'endroit où aller pour savoir les nouvelles tendances, prendre le pouls du marché, mais aussi de ce qui se faisait, de qui étaient les joueurs, quelles étaient les technologies émergentes. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on est partenaire financier parce qu'on y croit vraiment à cet esprit de communauté-là. À Québec, déjà, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de boîtes en multimédia dans la région. Puis, bon, évidemment, on travaille tout un peu chacun de notre côté. Puis le WAC, c'est vraiment la bonne occasion, justement, de montrer le meilleur de nous-mêmes. En apprenant des autres, bien, soit on évite de faire des erreurs, ou soit même on découvre des nouvelles idées qui sont vraiment intéressantes. Puis c'est une petite émulation à chaque fois, chaque année, dans l'entreprise avec les collègues. On va au WAC, on fait nos conférences, on discute. Ça touche tous les acteurs du web. Donc, puis tous peuvent se retrouver à être informés de parties du web qui ne sont pas exactement leur spécialité. Les chargés de projet peuvent être mis au courant des problèmes de performance en front-end, puis inversement, en front-end, on peut être mis au courant des problèmes de la vente dans le web, ou des problèmes du UX, de l'utilisabilité, des choses qui vont un peu plus connexes à votre métier, qui, je pense, peuvent augmenter la qualité de notre travail. Et puis, c'est surtout aussi très fun. On rencontre vraiment plein de monde de milieux différents, et c'est vrai que pour un Français comme moi, quelqu'un qui vient d'Europe, avoir un événement très créatif comme ça, qui se passe sur peu de temps en plus, c'est très agréable. C'est l'idée qu'à plusieurs, on va collaborer puis faire quelque chose de meilleure qualité, plus durable et puis gagner en indépendance, gagner en connaissances.